je suis musicienne. Pourtant, à deux reprises, j'ai essayé d'arrêter le violon. À 15 ans, je faisais un peu de la musique parce que mes parents l'avaient décidé. Je me suis arrêtée 3 mois. 3 mois pour comprendre que je voulais vraiment poursuivre, que c'était ma vocation, que c'était une nécessité. À 30 ans, j'avais un enfant, j'étais mariée et j'avais beaucoup de mal à faire face au stress et au rythme de vie. J'ai arrêté les concerts plus d'un an. Au début, ça a été un soulagement. Et puis, j'ai ressenti un manque. Et très vite, j'ai l'impression que je ne pouvais plus respirer, que j'étouffais, comme si j'avais un sac plastique sur la tête. Encore aujourd'hui, il m'arrive de rêver à une vie normale. Mais je sais que ce n'est pas possible. La musique accompagne tous mes moments de vie, de doute, de joie, de tristesse, de bonheur. C'est comme une bulle qui me permet de voyager, qui me permet de sortir du quotidien et qui me relie à quelque chose de beaucoup plus grand. La musique donne sens à ma vie. Elle donne sens à la vie. Ma pratique instrumentale, je la mets au service d'un compositeur. J'approche chaque œuvre avec tout ce que je sais, mais surtout tout ce que je suis. Et petit à petit, l'œuvre se révèle. C'est comme si j'établis un lien entre un compositeur qui est mort depuis très très longtemps, pour la plupart du temps, son œuvre, et le public qui l'écoute aujourd'hui. Je suis un peu passeur de musique. Ce lien nous lie dans l'espace et dans le temps. Et en cela, nous fait toucher à quelque chose d'essentiel. Cette pratique instrumentale ne peut se faire que si je suis pleinement ancrée en moi, dans l'instant présent, libre de ce que je suis, pour pouvoir me tourner vers l'œuvre, la comprendre et la partager. Cette façon d'être est essentielle en musique, mais elle peut devenir une philosophie de vie. C'est un peu ma philosophie de vie. Ancrée dans le présent, dans l'instant présent, libre de ce que je suis, pour me tourner au mieux vers l'autre et tenter de comprendre un peu le monde. Cet accès au monde, j'ai envie de le partager. Je trouve que c'est un peu ma légitimité à moi, musicienne, à nous, musiciens. Mais cette musique dite classique, est-ce qu'elle est accessible à tous, à tout moment, n'importe où ? Un test a été fait aux États-Unis. Joshua Bell, qui est un très grand violoniste, qui joue un des plus bels instruments au monde, un Stradivarius, a accepté de jouer à 9h du matin dans le métro de Washington. La vidéo, que vous avez peut-être vue, est impressionnante. Les gens continuent à courir. Personne ne lève les yeux. La veille, il jouait devant 1000 personnes. Pour certaines personnes, avaient payé jusqu'à 100$ leur place. Le lendemain, la même personne dans le métro a récolté 34$ en 45 minutes, dont 20 par la seule personne qui l'a reconnue. Ce que cela nous dit, c'est quand nous sommes dans cette course, dans cette agitation intérieure que l'on connaît tous, nous ne sommes pas disponibles. Nous ne pouvons percevoir la beauté, nous arrêter pour l'apprécier, reconnaître le talent. La musique, parce qu'elle se déroule dans le temps, nécessite de s'apaiser,
de se mettre en éveil. Au concert, petit à petit, le silence se fait, le vrai silence, le silence qui rend disponible. Celui que nous vivons actuellement et qui nous relie. Ce sont des moments de communion palpable. La différence, c'est que je vous parle. Je fais passer, j'essaye, un message. Eh bien, ce qui est merveilleux en musique, c'est qu'il n'y a pas un message. Chacun peut partir dans son univers, faire son voyage, se raconter son histoire. Alors, ces moments de partage, j'ai toujours envie de les vivre avec un plus grand nombre. Parce que je ne pense pas que la musique soit élitiste. Je pense qu'elle est accessible à tous. Il suffit de s'apaiser, de se rendre disponible, de se faire ce silence intérieur qui rend disponible à la beauté, à la musique. Mais c'est le même silence qui rend disponible à la connaissance, à l'amitié, à l'amour, à la vie. Ramzi Abou Redvan est un jeune Palestinien. À 7 ans, il participe à la première intifada et il voit mourir une grande partie de sa famille. Loin d'avoir peur, il nourrit une soif de vengeance. À 17 ans, il rencontre un musicien jordanien qui lui propose d'apprendre l'alto. L'alto, c'est un peu comme le violon. C'est pas très facile. Et pourtant, il accepte. Mais il est persuadé qu'il arrêtera au bout d'un mois parce que cette pratique est élitiste et surtout, elle est tellement loin de ses préoccupations quotidiennes. Pourtant, à l'issue des masterclass, il désire poursuivre. Il a découvert le moyen de fuir l'occupation, les camps de réfugiés. La musique lui permet de passer les barrières, les frontières, les murs. Il décide de poursuivre sa formation en France et aux États-Unis. 7 ans après, il revient à Ramallah. Et là, il a un choc. En France, les murs des écoles sont tapissés de dessins de princesses, de princes charmants, de maisons, de fleurs, d'arbres. Eh bien, à Ramallah, les murs sont tapissés de chars, de mitrailleuses, de kamikazes. Et Ramzi réalise à quel point la musique a transformé sa façon de voir le monde. Alors, il va jouer dans les écoles. Et là encore une fois, la vidéo est impressionnante, parce que très vite, les murs sont tapissés de notes de musique et d'instruments de musique. Et il réalise à quel point il est possible de modeler l'esprit d'un enfant, d'un être humain, de changer sa conscience. Aujourd'hui, Ramzi Abou Redvan nous dit: des pierres au violon, c'est le même combat que je mène. On peut détruire une maison, ériger un mur. On ne peut pas vous voler votre âme, votre identité. Il dit aussi: le monde du son est capable de hisser l'individu de l'inquiétude pour sa propre existence à une perception universelle de sa place parmi les êtres humains. J'ai toujours eu envie, et je suis toujours allée jouer dans des lieux qui ne sont pas consacrés à la musique classique. Alors, dans le milieu, on appelle ça aller vers les nouveaux publics. Moi, je vais vers le public. En 2001, j'ai initié avec des amis une série de musique de chambre à Trappes-en-Yvelines. C'est une banlieue difficile, dite difficile, de la banlieue parisienne. Soyons très honnêtes, pendant
plusieurs années. Nous avons touché entre 20 et 50 personnes au concert, essentiellement composées de nos amis, je les remercie, et de quelques mélomanes. Heureusement, dès le début, il y a eu ces moments avec les enfants. Cette jeune fille noire, à l'issue d'un concert, qui nous demande de lui parler du piano, des touches blanches, des touches noires. Alors on essaye de lui expliquer les demi-tons, la gamme, on lui joue. Rien n'est fait. Alors, d'elle-même, elle vient sur scène. Elle effleure une touche blanche. Elle écoute une touche noire. Elle nous dit, vous voulez dire qu'il n'y a aucune différence. Ou cet enfant de 2 ans, lors d'un concert pour des jeunes filles mères. Cet enfant de 2 ans qui signifie clairement à sa maman qui veut quitter en plein milieu de l'œuvre le concert, que lui veut rester. Eh bien, l'enfant est resté sur les genoux d'une autre maman. Mais ce qui est beau, c'est que 3 jours plus tard, il y avait un concert officiel. Et dans la salle, il y avait la jeune maman au premier rang. Elle est juste venue me voir avec ses amis et me dire qu'elle s'était éclatée. Et puis, à ces moments, à 50 ans en Yvelines, des concerts enfants en scène qui réunissent un orchestre professionnel et un chœur qui travaille toute l'année, qui regroupe des enfants des quartiers de Trappes en Yvelines. Quand j'ai fait ce concert et que j'ai vu le lever de rideau, entendre tous ces enfants chanter ensemble le chœur de Carmen, alors que quelques instants avant, on vérifiait qu'il n'avait rien de dangereux dans les poches. C'était quelque chose de fort. Pourtant, je vais être très franche. Quand j'ai traversé Trappes, à pied, un samedi après-midi, pour aller de la gare à la salle de concert, je me suis dit que ce que je faisais n'avait aucun sens. C'était certainement le fruit d'une pensée généreuse. Mais c'était aussi le fruit d'une pensée prétentieuse, de quelqu'un de très privilégié. Comment pouvais-je prétendre, moi, apporter la musique soi-disant vitale à des gens qui, eux, avaient de réelles passions vitales, se loger et manger? Heureusement, ce soir-là, au premier rang, il y avait une jeune femme noire et ses 3 enfants. Qui est venue me voir à la fin du concert et qui m'a simplement dit remercier en me disant que ces moments faisaient désormais partie de sa vie. Ou cette femme seule qui me dit attendre le prochain concert et qui me dit, qui m'écrit, c'est de ce souffle dont j'ai besoin pour respirer. Ce sont des mots qui me parlent, qui me touchent. Aujourd'hui, la salle est comble. Plus de 10 ans. Tout récemment, nous avons donné des concerts scolaires devant des enfants. 1500 enfants entre 7 et 10 ans des quartiers de Trappes. Au programme, c'était le Tzigane de Ravel. Alors le Tzigane de Ravel, c'est pas vraiment une œuvre très accessible a priori. En général, dans ce genre de concert, on présente plutôt Pierre et le Loup, le Carnaval des animaux ou les 4 saisons du Vivaldi. Donc c'est un peu un défi. On essaye donc de présenter l'orchestre, expliquer les sources d'inspiration. Et puis, on a prévu de jouer tout le Tzigane. Il faut savoir que le Tzigane commence par une cadence pour violon seul de 5 minutes. Alors, vous pouvez imaginer ce que c'est pour un enfant de 7 ans qui n'a jamais entendu de musique d'écouter un violon seul pendant 5 minutes. D'ailleurs, le chef d'orchestre n'y croit pas du tout et il me dit, Marianne, je te conseille de couper la cadence. Bon. Ça m'ennuie un peu. Je me dis, je vais essayer au moins la première séance. Je me donne quelques chances. Je donne des clés d'écoute, comme des petites balises dans une balade. Alors, vous allez rencontrer l'alouette, et là, il va se passer telle chose, et le violon va monter là-haut, et je me lance. Je pense ne jamais avoir entendu un tel silence. Le silence intérieur de 500 enfants. Et le plus beau silence que je n'ai jamais vécu. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait, que nous avons partagé. Ce sont ces moments
qui donne un vrai sens à ma vie d'artiste. Le lendemain, au concert officiel, nous avons eu nombreuses réservations nouvelles, parce que les enfants qui étaient venus la veille avaient réussi à convaincre leur maman, leurs frères, leurs sœurs, de pousser la porte du concert officiel et de venir écouter. Dans la salle, de nombreuses femmes étaient voilées. Dans ces moments, ce sont ces moments qui comptent pour moi. Je me sens passeur de quelque chose de plus permanent que la vie, passeur de lumière, je l'espère. La musique m'est vitale. C'est comme une bulle qui me permet de voyager ensemble. La vie sans musique est tout simplement une erreur.